Bonjour à tous et à toutes, ici The Ténèbres. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle bataille sur Total Wars Attila, voilà. Alors 600 contre 1500, mais on a des murs. Est-ce qu'on va gagner cette fois? C'est la question. Alors c'est parti, voilà, on a fait le dernier épisode, on a fait une bataille qui ressemblait à celle-là. Là ils ont beaucoup d'arbalétriers par contre. À peu près comme la dernière fois d'ailleurs. On va voir si on arrive cette fois à gagner. On a plus d'archers, ça devrait mieux se passer. C'est une bonne question. Cette fois je pense qu'on va essayer de défendre plus les murs parce que les tours nous ont pas aidés et je crois que c'est ça qui manquait pour gagner. Oh, du brouillard en plus. Donc ils pourront pas vraiment nous faire grand chose à distance. Ils sont où? Ils sont là. Ok, ils attaquent pleine face. Pas de problème avec ça. En fait, pas de problème du tout. Quand on voit cette barricade ici, est-ce qu'on peut mettre une seule unité? Ça rend pas tout. Mais la deuxième, on ne peut pas tout remplir non plus. Alors, on va avoir une seule unité ici, voilà. Puisque les deux sont aussi nombreuses. Et l'autre unité va être... bonne question. Où d'ailleurs voilà. Non, c'est pas ça que... Si passait que je voulais faire ça ici. Quoi qu'on peut le mettre ici, on va le mettre ici, voilà. Ça c'est bon, artillerie montée. Nos archers ici. On va les mettre sur le côté. Peut-être ce côté. Non, on va les mettre plus loin. On va les mettre ici pour l'instant. En avant. Ici, on va mettre la plus petite unité. Comme ça. Voilà, c'est parfait. Notre commandant, où est-ce qu'on le place? On pourrait le mettre dans une rue annexe. On pourrait le mettre par exemple ici. Voilà. Et notre autre unité plus nombreuse pourrait être... Donc quoi qu'on pourrait faire une défense en plusieurs points. On pourrait mettre avoir notre général ensuite ici en position défensive. Avec l'autre unité qui est là-bas, qui pourrait être juste ici, au-dessus des marches. Voilà, on pourrait faire ça comme ça. Ça marcherait bien, je pense. Voilà. Ok, comme ça. Ça, c'est parfait. Ici, tir enflammé aussi. Alors donc, ce qu'on ferait pour défendre les portes, ça serait vraiment avoir... des archers qui feraient qui tireraient direct dessus et sinon on aurait une cavalerie ici. Je crois qu'on a tout placé. On a oublié une unité ici. Cette unité voilà qui va rester en réserve. Donc ça s'appelle la défense de base et le petit plus qu'on a va aller ici. Ça, on est bien placé. Faire direct tirer sur eux. Voilà. Avant qu'ils soient démolis par les archers à courte distance. Allez-y, vous êtes capable. Premier tir. Ils se séparent, mais si en même temps ils envoient leur cavalerie dans le tas. Ça nous avantage presque. Ok, ici ils vont viser notre artillerie, tant mieux. Ça me dérange pas spécialement. Ils ont des gars partout. Ça se demandait qui visait. Et hop, magnifique. Alors, raté malheureusement. On va viser le général en arrière. Voilà, si on arrive à le tuer dès le début, ça serait tellement magnifique. Mais là, ce tir a l'air d'aller. Oh, manquer de peu. Manquer de peu. Voilà, ici, il commence à perdre quand même beaucoup d'hommes déjà. Ils vont devoir brûler les portes s'ils veulent passer. Bonne chance à eux. Ok, ça c'est bon ici. Et notre unité est très mauvaise pour tirer. Voilà. On commence à le comprendre. Tirer sur eux, voilà. Ils sont en train de casser les portes. Non. Ne tirez pas tout de suite s'il vous plaît les gars là. Je suis sûr que là, voilà, la moitié de vos tirs ne touche pas à bonne place. Ça sert à rien. Parfait petit tir, je pense, juste avant qu'on se fasse tirer dessus. Voilà, ça s'est quand même bien passé comme tir.
Bah les gars, vous partez. C'est fini pour vous. Ok, toi tu pars tirer, j'espère. T'es prêt à charger. C'est ça, gars, les portes sont rendues à 70%. On peut pas les... Ils sont rendus où d'ailleurs? Ils sont rendus quelque part dans la porte ou quoi? Ou ils sont repliés peut-être? Je pense même pas. Ils ont juste disparu. Non, ils sont encore là, mais on les voit pas tout le temps. Est-ce que la porte augmente ses dégâts? Oui, c'est déjà ça. Ils resteront pas coincés dans la porte infiniment. Si on en tue quelques autres, tant mieux. Et la porte est tombée, voilà. Alors là, vraiment, c'est le moment de leur dire faites feu. Tiens de précision. Allez-y, abattez-les. Là c'est le moment vraiment de faire des pompes sur leur tête. Est-ce que c'est le moment de faire charger les cavaleries? Pas sûr. On va tenter. Leur faire peur au pire un petit peu. Ok, ils prennent pas les coups direct. Une fois qu'ils ont l'air de les prendre. Voilà, juste avoir quelques gars dedans. Maintenant on va changer de cible. Vous avez une autre unité juste à côté. Allez. Ça se passe, voilà, ça c'est bon. Ok, on va se replier, ça sert à rien. Ça sert à rien. Non, 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 vous restez là. Je vous ai jamais dit de partir, hein, ce que je cherche. Eux, c'est bon, ils se replient. Ici, on devrait perdre ses tours, mais ça va prendre encore quelques secondes. Ici, on tire là-dessus. Ici on est prêt à tenir encore. Ça se passe plutôt bien, on peut voir, ils ont presque plus d'hommes là-dedans. 50% au max, c'est très bien. Okay, ici, ouais, pourquoi pas les charger. Pourquoi pas, voilà. Alors, ça c'est très bien. Ici on va pas leur dire de tirer tout de suite au cas où. Voilà, ici aussi ça se passe plutôt bien. Seulement perdu deux hommes de ce côté là. Repliez-vous ici. Ça sert à rien de mourir pour aucune raison. Bah, si vous repliez ici, il y aura deux tours de plus pour vous aider. Retirez-vous. Non, 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 pas mourir. Restez là, restez là. Ne vous inquiétez pas, vous avez l'avantage des tours. Ah, les hommes sont brisés, eux ils s'enfuient, tant pis. Et ici ça se passe plutôt bien. Ok. Malheureusement. Ok. Est-ce que cette porte peut au moins les détruire? Ah non, voilà. S'ils sont repliés là, c'est sûr. À 3, ils vont pas aller loin. 1 et ça va faire 0. Au moins ils se seront battus jusqu'au dernier homme. C'est déjà la belle histoire qu'on peut raconter sur eux. Vas-y. Ah non, il est mort. Malheureusement, il est mort. Ok. Toi ça sert à rien que tu restes là, t'as plus de munitions. Fusil. Fifi, toi tire. Allez c'est bon, toi tu peux tirer. Vas-y, vas-y, vas-y. Tuez les par derrière. Parfait. Ok, il nous attrape par derrière. Je les ai même pas vu arriver. Pourquoi il va falloir que j'observe un petit peu mieux. Tire en arrière. Voilà, ça devrait pas être un très gros problème. Par contre, on perd beaucoup d'hommes pendant ce temps-là. Allez-y les gars. Ça, ça se passe bien. Et encore une volée là-dessus là. Tue au moins ce groupe d'armes de cavaliers, ils sont pas nombreux. Pourquoi est-ce qu'ils ne tirent pas? Voilà, bonne volée que je veux. Voilà, ça c'est bien. Ils vont se briser instantanément. Parfait. Brisez-les un peu.
essayer de vous replier tranquillement. Voilà. Ça c'est bon. Ici on s'est bien placé. Foncez les tuer ceux-là. Et ça se passe bien de ce côté là-bas. Vraiment plus très nombreux. Mais ouais, on a survécu. Donc, de ce côté-là. Contre leur général. Ok, c'est bon. Pour la gloire de Dieu. Ok, on va essayer d'envoyer une autre unité par derrière. Cette fois on va être prêt par contre. Allez, chargez, j'ai besoin de 2 secondes. J'ai besoin de 2 secondes. Et vous, cassez-les. Maintenant, là, ils se sont brisés sur nous, nos archers inutiles, donc finissez-les. Repliez-vous ! Les hommes sont brisés, et tant que les hommes sont hésitants. Non, 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 c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai, ça. Allez-y, vous. Allez-y, tuez-les tous. Allez-y, tuez-les tous. Vous êtes capables. Est-ce qu'il reste du monde qui arrive par là quand même? Est-ce qu'on peut se replier un petit moment? Non, on dirait pas. Allez-y. Allez, encore quelques volets, ils seront plus là. Repliez-vous. Les hommes ont lâché leurs armes et sont fuis. Ils ont presque pris le point. Chargez. Tuer les tous, ils sont plus très nombreux. Les dieux nous sauvent. Ok, petit glitch de texture. Vous allez vous plier ici. Nous obéissons. Même vitesse. Pour la gloire. Allez, tuez les tous. Voilà, ça c'est bon. Est-ce qu'ils ont cassé une mort? Malheureusement, oui. Vite, très vite. Ok, ça c'est bon. Quelques volets encore. C'est bon. Visez mieux que ça. Il nous arrive de tous les côtés, on ne pourra pas gagner, je pense. Nous maintenant. Vous avez cassé, c'est bon. Ça va nous permettre de arriver à nous placer en arrière. Allez-y. Cassé, c'est bon. Ils vont casser. Ici, on va vraiment passer en arrière. Là. Voilà. Ok, voilà. Ici, c'est bon. Parfait. Passez-vous ici. Vous êtes capable. Vas-y, tuez-les. Il faut qu'ils partent en déroute assez vite. 83. Tournez-vous. Chargez dans l'autre sens, ils sont plus dangereux. Cela, on peut les achever. Comme ça, ils nous tombent bien au dos. Nos flèches vont faire plus d'effet, mais non. C'est perdu. C'est perdu d'avance, rendu là, voilà. Pas accéléré et c'est fini malheureusement. Les hommes sont brisés, la détermination des hommes. N'ont pas réussi à défendre malheureusement, voilà. On a quand même tué 2 fois plus du côté ennemi, mais tant pis. Voilà, tant pis. Nos unités n'ont pas assez bien travaillé ensemble. Alors, défaite malheureuse. Pax Augusta, où est-ce que c'est ça? 1000 contre 500. On aurait une chance, mais je crois que c'est très loin. Est-ce qu'on peut voir où c'est? Voilà. Bon, c'est pas ça que je voulais voir, mais c'est bien de savoir qu'on peut voir la carte. Non, tant pis, on défendra même pas ce point-là. On va juste faire défense, protection, voilà. Ça n'a pas duré longtemps.
Ça a pas duré longtemps. Ok. Ils ont même pas perdu 200 hommes. Colonie mise à sac, faction détruite. Ok, c'est pas génial ça. On peut voir qu'on commence à perdre des petits bouts par-ci par-là. Ici, ils ont pas l'air d'avoir voulu avancer plus que ça. Ici, on va pouvoir se replier ici et recruter tous les barbares qu'on va pouvoir, parce qu'on va en avoir besoin. On va avoir besoin de ça. Lanceur, chasseur. Et ici, on va avoir besoin de protectoresse. Voilà. Alors ça, c'est vraiment... Il faut juste pas que j'oublie de les prendre. Mais voilà, acheter. On en a besoin. Ça va nous permettre de gagner le prochain combat. C'est deux grosses armées. J'espère que ça va nous permettre de le gagner. Colonie. Oui, ce qu'il nous faudrait vraiment, c'est... C'est plus de plus, comment dire, ce qu'il nous faudrait, c'est plus de monde pour pouvoir faire un bâtiment de plus par exemple ici et améliorer la salubrité partout ici, mais malheureusement on peut pas. Ici ça se passe bien. Alors, jardin fruitier, production de vin, ordre public, ça c'est mieux. On a moins de nourriture et là on a plus de nourriture. Par contre, plus d'ordre public, c'est mieux. On va partir pour ça. Si on s'améliore toujours, on produit plein de nourriture avec ces deux provinces. Dommage que ça ne dise pas de nombre total, mais bon, c'est pas grave. On a cette armée ici qui ne fera rien encore avant un petit bout à mon avis. Ici, voilà, non, on ne bougera pas non plus. Ouais, je crois pas que ça vaille le coup de sortir de la ville. Bon, prochain tour on aura plus d'unités, c'est déjà ça. Et on pourra recruter des unités de cavalerie s'il en faut. Ensuite ici on vient d'avoir 7 habitants. Donc on va aller ici pour aller chercher la salubrité qu'on fera au prochain épisode. Pas prochain épisode, prochain tour, excusez-moi. Terminer le tour. Vous pouvez toujours... Ah, compétences non assignées, ok. Alors, Legatus. Et si on peut pas l'améliorer. Ah si on peut. Voilà. Et brassard, voilà. Petit bonus. Et voilà. Ça, c'est fini. Fini comme tour. Ouf, chance de réussite est pas très grosse. Hein. Faire bataille par ordinateur. Protection. C'est fini de ce côté-là aussi. Malheureusement. Ils ont quand même perdu 200 quelques hommes. Vous êtes alors, alliance défensive. Et digne, et seul des imbéciles. Pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai pas de problème à ça moi. Si tu veux t'allier avec quelqu'un qui est en train de tomber. On voit plein de mouvements mais c'est trop... trop zoomé qu'on peut pas savoir exactement où ça se passe à chaque fois. Les 1 qui sont un petit peu partout encore, qui avancent tranquillement. Commence à apparaître en Belgique, en Allemagne. Encore l'Empire romain d'Orient qui fait du commerce. Lui, il a de la chance. Quand on sera redevenu un bel empire, première chose qu'on fait après avoir battu Barbare, bien sûr, c'est conquérir l'Empire romain d'Orient et refaire l'Empire romain. Voilà. On va se le dire direct. C'est pas vrai qu'on va les laisser avec du beau commerce, des beaux avantages de partout. Ouf, 140 contre 1040. Je sens une petite différence en nombre. Et hop, les 1 nous ont battus. Est-ce que c'était les 1 d'ailleurs? Il ressemble au 1 comme ça. Mais ça se pourrait très bien. Non, c'est les Roxelans, voilà. Ils ont perdu seulement 27 hommes. Ça s'est très bien passé pour eux, on peut le dire. Alors ici on va faire défense par ordinateur. Pas vrai qu'on va se défendre contre tout ça. Ça sert à rien. Ouf. Petit coup d'épée dans la tête direct. Et ils ont perdu 90 hommes. On en a perdu 500 presque. Alors l'Hispanie qui va attaquer ici. Hop. Protection. Clac. On vient de perdre un autre village.
C'est pas grave. C'est pas grave. On va juste défendre nos bords. Nos bordures, c'est ça qu'on s'était dit depuis un moment. Et ici, voilà. Tac. Une autre bataille de perdu, malheureusement. Voilà. Dommage qu'on puisse pas leur dire je te libère ou quoi que ce soit. Hein. En tout cas, je crois pas qu'on puisse le faire. Ok, ils nous rattaquent de ce côté-là. Est-ce qu'ils nous rattaquent? Pour de vrai? Ils sont sérieux là? Ils ont plus rien du tout. Mais ils nous rattaquent. Et clac. Voilà. De se tuer cette fois. Après trois batailles à la même place. Enfin, de se tuer. Faire argent gagné. On s'en fout. Tuer les prisonniers. Il y en a pas. Voilà. 1%. Alors Carthago Novo. Belle bataille. En vue 1800 contre quand même 800. Alors, ça doit peut-être qu'on a une chance de la gagner celle-là. On sera pas trop en sous-nombre, hein, 2 contre 1. Ils ont énormément d'hommes et on va pouvoir se battre à Carthago nouveau. Voilà, allons-y. C'est parti. Voilà, on a une unité de lanciers, une unité de cavalerie, deux archers pleines pour une fois et deux. Bah, presque pleine, bon, 3/4 et 2 unités de combattants en mêlée. Bah, eux ils ont beaucoup plus que nous bien entendu, mais c'est déjà ça. Et ici on a 2 unités de combattants en mêlée, je pense. Ok, ça c'est bon, ils vont arriver d'où? Ok, ils arrivent d'en face direct. Ok, alors ici on peut mettre. Voilà, ça c'est bon. 4 belles cibles directes. Vous savez qu'on va juste se mettre ici pour éviter le plus possible le renagre. De ce côté là on n'a pas grande façon de se défendre. Par contre on peut mettre un petit peu de défense là, mais c'est pas grand chose. Enfin, ça nous sauve pas grand chose en fait. Et ce qui veut donc on va se défendre ici, hein. Voilà. On va voir ce qu'ils vont faire bien entendu. Mais en attendant on va se placer comme ça. Un archer de chaque côté. On va mettre la cavalerie. On va mettre la cavalerie ici un petit peu en retrait. Ces deux unités on va en mettre une là et l'autre là. Voilà. Et c'est parti. Alors ça, vous venez là. Ici, voilà, exactement. Si tu peux tirer sur eux, ça serait parfait. On va voir où ils vont tirer déjà. Et notre nagre. Ok, alors première volée, complètement ratée, c'est bon. Alors deuxième volée, on va leur dire là, ici. Manière essayer qu'ils réussissent un peu mieux leur tir, voilà. Bien fait de pas mettre nos archers ici, ainsi nous sont. Ce serait déjà fait tuer. Ouf. Et c'est tout tout bien touché quand on a l'air de rien. Voilà. 28% déjà. On arrive en bas. Alors j'ai même pas vu où le deuxième date ici. Ça a l'air d'être ici que ça a tapé. Et vas-y toi, t'es capable de tirer. Alors là et maintenant toujours la même chose, hein, en fait. On pionne pendant un bon moment avant de décider d'attaquer. Oh, beau petit tir. Quelques-uns tués, c'est bien. Voilà, on les voit brûler. Un petit peu. Allez-y, c'est quand vous voulez les gars. On va essayer de tuer quelques-uns de leur cavalerie. Et ils en ont une tonne, ils ont 6 unités de cavalerie. Ok, ça sera pas génial. Allez. Ah, ouf. Ça aussi c'est pas assez serré. Et malheureusement, ils ont juste eu à se décaler un petit peu. Et ils ont évité le tir. Voilà, on va se tirer ici, tiens. Peut-être une chance de l'avoir.
que les onagres ennemis vont tirer encore? Ouais, voilà. Leur tir arrive, donc notre tir devrait être... Hop. Ça, c'était serré. Et... ça touche. Pas de beaucoup, mais ça touche. Voilà. On en tue encore quelques-uns, tant mieux. Hein. Faut vraiment affaiblir leurs 4 unités au corps à corps. C'est ça le plus important. Vous savez quoi ce qu'on va faire? Repliez-vous. Je sais pas. Non, repliez-vous tous. On va vraiment essayer de juste défendre le centre de la ville. Je crois pas que ça sert à essayer de se défendre ici. Puisqu'à chaque fois les tours en fait ne font pas grand chose. Mais on essaie de les sauver. Alors ça sert à rien je pense. On va vraiment essayer de se replier de ce côté là. Allez-y les gars, faut pas de course. Ok, maintenant ils vont essayer de creuser un mur ici, c'est notre tout juste. Général est attaqué. Faites qu'il survive. Qu'est-ce qu'il casse? Mur du fort 100%, bah, il doit manquer presque un demi pour cent. Quelque chose du genre. Et il y en a une qui a même pas encore tiré en plus. J'avais pas vu celle-là. Faites attention à chaque Allez-y, tir. Faites feu. 4, est-ce que c'était 4 dernières? Non, il reste un tir après ça. Et voilà, le mur qui s'effondre ici, presque rien. Prochain tir qui touche, ça s'effondre. On va se rapprocher ici. Donc, comment est-ce qu'on défend ça? Ici, on veut des hommes. Ok, léger lag. Pas aussi proche, voilà. En formation. Ok, eux vont charger, c'est bon. Ils ont leur brèche. Ça c'est parfait. De l'autre côté, on va mettre une unité au cas où. En arrière de ça, on va mettre une unité prête à défendre. Hein. C'est jamais ce qui pourrait arriver. De ce côté, on va mettre une unité aussi prête à défendre. Et il nous reste plus grand chose au centre. Voilà. Et là, et c'est là tranquille. Voilà. Pour notre sauveur. On serre les rangs. Ici, on serre les rangs aussi. Là, les archers se mettent en position. Et c'est où qui tirent? C'est où qui sont rendus à tirer? Ok. Est-ce qu'ils essayent de détruire les tours? Ben, honnêtement, ça me dérange pas qu'ils utilisent le. Est-ce qu'ils tirent? Ils ont pas l'air de tirer, mais nous, on les attrape un par un. Donc ça, ça me dérange pas du tout. Est-ce qu'on pourrait juste voir où est-ce qu'il tire? Ok, il essaye de casser d'autres bouts du mur. Donc on va accélérer. Hop, on les attrape un par un. Là, c'est quand vous voulez les gars. Hein. On attend. Nos gars sont bien, ils doivent être frais là. Juste s'assurer que tout le monde est en position. Ouais, ça, ça a l'air bon. Voilà, ils ont fait tomber un bout du mur ici et maintenant c'est l'heure de la charge on dirait. Quoique non, même pas, ils sont juste venus casser les portes. Ils se replient, alors on en attrape d'autres. Ils restent à portée, on a tué combien juste dans ce groupe là? 7, 2 ici, plus là ces arbalétriers qui en ont perdu une 60aine si c'est pas plus. Voilà, ils continuent, casser les murs, moi ça me dérange pas. Si ça vous fait plaisir d'utiliser vos munitions pour ça, allez-y. Vraiment, là, ils sont rendus à 120, 140. Ça continue à descendre tranquillement. Hein. Une chance qu'ils sont en formation desserrée. Je crois qu'ils n'ont pas compris que ça absorbait pas les balles. Mais en tout cas, on revient. La bataille reprend, voilà.
tous se faire rattraper. Une tour à la fois qui va rentrer en action. On dirait qu'ils ont choisi ce côté pour attaquer, ce qui me dérange pas honnêtement. Comme ça je pourrais remettre plus de tirs de mes archers de ce côté là et enlever ceux qui sont à gauche. Voilà, allez-y, attrapez-en le plus possible. Ouais, ça c'est bien pour l'instant. Beau tir. Ici aussi quelques beaux tirs. Bah, si on peut tuer sa cavalerie en même temps, c'est parfait. Bah, ils ont dû perdre 10% de leur armée juste avec nos tours déjà, c'est super bien ça. Ça marche bien. Là, la charge. Allez-y, chargez direct, ça me dérange pas. Par contre, j'ai oublié. Tir enflammé. Ils attaquent pas de l'autre côté, alors ça c'est bon. On va direct redéployer nos hommes. Tir enflammé aussi de ce côté. Allez-y, ici, on est en position. On a des tours partout, ça va faire le tour. On va leur coûter cher. Placez-vous ici les gars, vous inquiétez pas, on va tenir. Okay, eux, de quel côté est-ce qu'ils veulent aller? Il y a 3-4 tours qui leur tirent dessus là. Ils en ont déjà détruit 3, mais il leur reste 4 tours en action. Donc ça c'est très bien. Allez-y, on va se déployer ici. Pas de problème. Alors ici nous les attrapons assez rapidement. Donc toi c'est pas la meilleure défense, mais avec les archers en arrière ça doit bien se passer. Voilà. Déjà ils perdent l'avantage de ce côté là. Faites attention les archers quand même, pas trop vous approcher. Tirer la dent. Ce gros tas d'unités, il nous faudra un nanagre. Ça ferait du bien. Malheureusement, on n'en a pas. Alors ici, on a perdu 40 hommes. Ils en ont perdu 40 dans chaque groupe. C'est très bien. Voilà, ça, c'est bon. On a perdu ce côté-là. Alors ici, on va leur tirer ce groupe ici. Voilà. Parfait. Ils sont encore 112. Et les derniers vont se faire attraper par les tours. Voilà. Ça c'est bon. Ici ça devrait aller aussi. Plus de 11. Ça m'étonnerait que ça soit ça qui me fasse dommage. Ici, allez-y. Décochez les beaux tirs. Ils peuvent tirer à peu près n'importe où. Ils sont très sûrs d'attraper l'ennemi. Les beaux tirs en général, on peut le voir. Ici on tient plutôt bien, on a encore 100. On a déjà mis en déroute plusieurs unités adverses. Ok, vous allez vous mettre en position ici. Dès que cette unité sera tombée, on va pouvoir changer de place. Voilà, en position aussi. Ça c'est bien. Tue les derniers. Tu vas finir ce... Tu vas te replier. Voilà, c'est bon. Ici on tient les tours, c'est bon. Tu vas pouvoir aller. On va attendre encore, hein. On va attendre qu'ils perdent leurs dernières unités de cavalerie. Parce que je ne peux pas utiliser notre cavalerie pour rien. En même temps, j'ai pas envie qu'on perde de ce côté-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer ces gars-là à l'attaque. Toujours ces unités qui font des belles volées là. C'est bien apprécié. Voilà. Toujours une belle volée de tir. On continue pour leur enlever leur morale. Ça se passe bien. Ici, on va lâcher. Donc c'est bon. Okay. On se rend en position de garde.
sert à rien de continuer à les charger. Chargez, ne vous inquiétez pas. Hop, ici. On va se redéployer. Ça, c'est très bien. Et ici, on va en avant. Pas par en avant. Il ne faut pas casser tous nos rangs non plus, là. Juste passer par là. Faites le grand tour. C'est pas grave. Voilà, passez par ici. Bon, ici, on achève tous ceux qui essayent de sortir. Voilà, ici, leur cavalerie complètement tombée. Les unités de l'ennemi se sont ralliées et sont retournées au camp. Non, ils se sont pas ralliés, c'est pas vrai. Voilà, ici, on va charger. Hop. Vas-y. Et porter un bon coup à leur morale. Quatre unités qui sont en train de lâcher, ça doit peut-être, si on a de la chance, ça va faire ça va toutes les mettre en déroute. Ils sont tout en train de lâcher là. Ouais, ici c'est notre zone sécuritaire, on sait qu'ils pourront pas y aller. Allez-y, qu'ils emmènent leurs lanciers, c'est pas grave, on va les attendre avec des tours. Gardez la vitesse. Ok, ils veulent pas approcher plus leurs lanciers, ce qui est dommage. Ici ça se passe bien, on est plus que 52 avec le général. On tient bon. Je crois plus qu'ils vont se permettre de faire de tourner en rond. On va se replier ici. Voilà. Ça ici c'est bon. Ici on me reste encore deux flèches. Vous êtes capable. Quelques autres. Lui il veut pas attaquer. Hein. Je lui arrive juste à temps, j'ai peur qu'il décide. Vas-y, charge. J'ai pas peur, non, vas-y. Vas-y, bien chargé. On a juste quelques tours qui sont prêts à t'abattre. Vite maintenant. Cavalerie après moi. Vas-y, venez. Venez, vous pouvez être aussi nombreux que vous voulez. Ouais, ils sont déjà plus que 102. Ici c'est la débandade complète. Alors, on va faire le grand tour. Allez-y les gars, vous êtes capables. On essaye d'éviter ces flèches. Ouais, on voit les flèches éviter. On va retomber sur eux. On part en arrière. Parfait. En ce temps-là, eux ils continuent de perdre des hommes. Ils ont perdu une vingtaine. Voilà. Et on va chercher maintenant véritable unité à attaquer le gros groupe d'ennemis. Allez c'est parti, allez-y, vous êtes capable, faites le nettoyage, faites le nettoyage ici, c'est bon. Hop, ça nous unités vraiment ce beau groupe d'unités qui vient de se rajouter là, on a très vite fait le nettoyage de ce qui restait. La détermination des hommes est en place. Et c'est gagné. Allez-y. Hop. Attrapez ces gars-là, vous. Attrapez ceux-là. Faut pas qu'ils détruisent une autre tour. En plus, ils sont debout. Allez-y, vous êtes capable. Deux dos, c'est parfait. Allez. Courir encore. Faut continuer à courir. Vite maintenant. Parfait. Gardez la vitesse. Allez, les derniers vont se faire abattre par la tour et ça sera gagné. Voilà, si on achève vraiment les derniers. Il nous faudrait par contre notre cavalerie là. Ah, notre cavalerie a décidé de fuir par contre. Allez, tuez-eux. Dernière volée sur eux si possible. Ici, chargé.
on est encore. Si on peut l'attraper, attrapez-le. Ces marins sont quand même très forts, c'est bien. Victoire de justesse, mais victoire tout de même. Durée de la bataille, 21 minutes quand même. Hein. On va arrêter l'épisode ici. Belle victoire pour finir, c'est très bien. Hop, voilà. On n'a pas réussi à tous les tuer, mais c'est pas grave. Et voilà quand même, 1500 de tués chez l'ennemi. On se renforce de 13%, ce qui est vraiment pas mal. Alors, belle victoire de ce côté-là. On repousse l'ennemi ici, l'ennemi à sac. Voilà. On commence à avoir pas mal de messages. Excusez-moi. Donc, ici, on tient bien. Égout, hygiène publique plus 9, non, puisque l'hygiène partout est bonne. On n'augmentera pas ça. Insalubrité, on a combien ici? On a plus 4, ok, c'est très bien. On pourrait faire ça, moins 50 de nourriture, moins 50. Les deux sont bons, mais plus 1000 de richesse. On va faire ça, voilà. Construire un théâtre ici. Bon, eux veulent vraiment pas attaquer, mais tant qu'ils restent à distance, là, ils perdent des hommes, donc ça me dérange pas, voilà, puisqu'ils ont la peste. Ici, c'est bon. Cette armée doit quand même nous coûter bien cher à entretenir. Hein. Est-ce qu'on peut le voir? Dépense 11 000. Il faudrait aller ici, je pense. Bon, hop, partenariats commerciaux. Si on regarde ici, commerce, militaire. Non, c'est pas ça. Taxes, entretien de l'armée, presque 10 000 l'air de rien. Alors prochain tour, on va perdre cette province. Fallait s'y attendre. C'est pas très grave. Ça générera 1600. Tout qu'on va le faire. Voilà. Abandonner. On va abandonner quelques provinces. Cela on peut pas. 300. Je sais pas pourquoi c'est là on peut pas d'ailleurs. En tout cas, c'est pas très grave. Vient de leur dire qu'on en a abandonné une. C'est déjà 1600 pièces qui vont nous revenir. S'il y a des armées partout, ici aussi, ici ça commence, ici on a un petit peu. Alors vraiment, on a des problèmes partout, l'air de rien. Ici, province abandonnée partout aussi. Tout a été saccagé. Ici, ça a été saccagé aussi. Il y a plus personne qui habite. On peut voir que quand même c'est bien magané partout. Voilà. Alors on va arrêter l'épisode ici. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et on va se dire à la prochaine. Bye bye.